Cet instant précis où la préparation se transforme en performance, où tous les efforts consentis sont récompensés. Et quand ce moment arrive, soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu, soit vous ne le faites pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur les antennes du Journal du Golfe pour un nouveau sujet euh, que j'espère passionnant. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien J'espère. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, sujet passionnant, je vais prendre mon putter pour commencer. Sujet passionnant. Très souvent, tous les jours, certains d'entre vous nous demandent à nous, pro-PGA, quel est. Quel putter je dois choisir Il y a une, un nombre de putters extrêmement important. Quel est le putter pour vous C'est l'objectif de ce live. Donc, ce que je vous demande dans un premier temps, c'est de me poser toutes les questions qui vous viennent, qui vous passent par la tête. C'est l'objectif de ce live, c'est surtout de répondre à vos questions. D'accord Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien On est bon, Max Je remercie Max qui est avec nous. Et Jean Damien qui va m'aider sur mon alignement. Vous allez comprendre pourquoi, c'est très intéressant. Donc, toutes les questions qui vous passent par la tête, N'hésitez pas à revenir vers moi. Je tiens à remercier Tightless qui aujourd'hui nous permet d'organiser ce live, qui nous a fourni des putters qui vont vous permettre de comprendre quel choix faire. Bien évidemment, il y a beaucoup de marques de putters aujourd'hui sur le marché. Scotty Cameron est tout simplement la référence ultime des putters. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment choisir le vôtre. Ça vous va Allez, c'est parti. Pour commencer, il y a plein de formes de putters. Allez, je choisis. Allez, sur une même, on va dire sur une même gamme. Donc là, je commence par cette gamme-là, qui sont des putters plutôt larges. Est-ce qu'on voit bien d'ici Je suis trop près, trop loin. Oui, je suis bien. D'ici aussi. Donc là, on a ces putters qui font la gamme fantôme de chez Scotty Cameron, absolument extraordinaire. La seule chose, c'est que j'aimerais pouvoir vous les montrer comme ça. Est-ce qu'on les voit Est-ce qu'on le voit ici Donc celui-ci, un peu plus proche. Qu'est-ce qu'on constate deux lignes, trois points, donc une phase assez large, importante, une aide pour s'aligner extrêmement importante, plus de poids, donc tout à fait intéressant. Toujours chez Scotty Cameron, dans la gamme fantôme, donc là à gauche vous avez le 8, le X8, là c'est le X5. Là qu'est-ce qu'on constate L'arrière est différent, trois points aussi pour vous aligner. Et celui-ci, qui est le 12,5, on le voit bien ici, super, qui là a deux petites ailes en plus. Une, une ligne noire. Donc voilà, ces poteurs-là sont des poteurs qui ont des aides pour s'aligner extrêmement importantes. Donc déjà, ça c'est un facteur primordial. Pourquoi Parce que ce qui est de plus important dans le choix du poteur que vous allez avoir, c'est en 1 que vous aimiez le poteur, en 2 que le poteur, vous puissiez vous aligner correctement avec, et qu'en 3, ils reviennent, ce qu'on appelle square, au moment de l'impact. C'est ça qui a le plus d'importance et c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, en un, en haut de la liste, quand vous le prenez, il faut que vous l'aimiez le putter. Il faut que vous sentiez que waouh, il est beau, il est sympa, vous utiliserez le terme que vous voulez, mais la première des choses, c'est d'avoir un outil qu'on a envie d'avoir en main. Gardez en tête que le putter est l'outil du sac, le club du sac que vous allez jouer le plus souvent. Gardez ça en tête. C'est super important. D'accord Hyper important. Donc, aujourd'hui, deux grandes gammes de putters sur le marché. Ces putters-là qui sont larges, lourds, mais dans le bon sens du terme, et avec beaucoup d'aide pour vous aligner. Et de l'autre côté, vous avez ce putter-là qui est le putter le plus traditionnel, qui est le putter maillet, et le putter blade, pardon. Et donc ça, c'est les... ce qu'on voit bien d'ici. Les deux grosses différences aujourd'hui et les deux grandes familles, maillet blade, ce qu'on appelle forme tout à fait classique et une forme plus importante. En un, quand vous le mettez au sol, ben certains d'entre vous vont nous dire « Oh là là, j'aime bien cette forme-là » Là, on voit mieux, je pense. Plus cette forme-là, qui est un peu plus futuriste, un peu plus moderne, avec plus d'aide pour l'alignement, avec un équilibrage un peu différent, et cette phase, et cette forme pardon, extrêmement classique, le fameux Newport, Newport 2 joué par Tiger Woods, qui... Lui est une autre forme. Donc, en un, quand vous choisissez un putter, il faut que vous choisissiez un engin, un outil qui vous plaise quand vous le posez. Super important, comme une voiture, comme une femme, plus sympa si on la trouve jolie. Donc très important. En un, c'est de trouver un outil qui vous plaît. En deux, il y a différents grips. Des grips, on en entend parler toute la journée. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme grip Vous avez des grips qui sont très gros, plus petits. On va faire simple. Le grip doit correspondre à la taille de vos mains. Si vous avez des mains très grandes, très grosses, des gros doigts longs, prenez un gros grip. Si vous avez des petites mains, utilisez plutôt un grip classique comme ce qu'on a ici sur les, sur les Scotty Cameron. Là, j'ai pris deux grips. On a ces nouveaux grips aussi avec une partie extrêmement plane ici sur le côté. On voit bien Qui permettent de positionner même les deux pouces. Si vous voulez dessus, donc on a ces grippes-là, Super Stroke et les grippes beaucoup plus classiques de Scotty Cameron. Ici, qui ont, en fonction des modèles, je vais prendre un modèle, hop là, qui peuvent être déjà très différents. Regardez ces deux grippes. Regardez, est-ce qu'on les voit ici C'est bien. On les voit, ils sont extrêmement différents. C'est des grippes qu'on appelle Pistols, mais très différents. Ou ici, on voit qu'il y a beaucoup plus de matière que sur celui-là. Pareil, celui-ci va favoriser probablement des mains un tout petit peu plus grandes, grosses, et une prise de main un peu différente. On le voit bien ici aussi. Je ne sais pas si on le voit comme ça, pas mal. Je décale un peu ici. Voilà, on voit que le bout du putter est beaucoup plus large sur le modèle fantôme que sur le modèle classique Scotty Cameron Select. Donc, je me répète, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont peut-être partir avec des questions à la fin de ce live. Je pourrais répondre à certaines, pas répondre à d'autres. Pourquoi Parce que vous allez comprendre qu'il y a une multitude de putters, une multitude de choix. Et ne vous connaissant pas, ben, je vais avoir du mal vraiment à vous dire c'est ça qu'il faut prendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un putter pour vous. Contrairement au, au, au grand jeu où la technologie aujourd'hui est extrêmement importante, on a euh, des nouvelles phases de clubs, on a des nouveaux chaves, des clubs beaucoup plus légers qu'avant, beaucoup plus tolérants qu'avant. Le putter, la grande différence avec le putter, c'est surtout qu'il soit adapté à votre morphologie. La morphologie, c'est quoi La taille de vos mains, votre taille à vous, on va en parler un petit peu, le look du putter et la manière dont vous swinguez le putter. Donc j'insiste là-dessus, il va être adapté avant tout à votre morphologie en 1 et à la manière dont le putter bouge. Je me répète, contrairement au grand jeu où la technologie rentre beaucoup plus en compte, c'est moins le cas au putting. Est-ce qu'on a des questions Alors, beaucoup de questions, génial. Merci pour ça. Tiger Kawète. Alors bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Jean-Christophe Lévid, bonjour. Son ok, super, super, Maxime. Center Chef, pourquoi je vais, en... je vais y venir tout de suite. Cyril, Newport 2, le putter actuel avec un grip pistol. Je suis amoureux de ce putter. J'ai exactement la même chose. Arnas Konas Arna, j'ai bien su tes SMS, je te réponds tout à l'heure. OK, on répondra progressivement à toutes ces questions. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin et déjà que dans un premier temps, je vous parle de la taille du putter. Donc là, la taille du grip en fonction de la taille de vos mains. D'accord La taille du putter, là aussi en fonction de votre taille. Il y a un petit... Un, 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 un petit quelque chose qui est assez simple pour avoir une première idée de la taille du putter que vous devez avoir. C'est une base, on va, on va s'adapter, mais tout simplement en vous tenant assez droit. Vous avez un os ici, alors le nom de l'os, il y a des médecins qui nous regardent euh, avec grand plaisir. Cet os qui ressort ici, si quelqu'un sait ce que c'est, je ne sais pas. Mais une, et, et un. un une référence importante au putting, si on se tient comme ça. Jean-Damien, est-ce que tu peux me dire où, à quelle hauteur je suis À quelle hauteur est, est, est mon os ici ben, J'y suis. 30, non, un peu plus. 34, 34. 34, 34 et demi. ça tombe bien, c'est le putter que je joue. Donc là, si je me mets ici, donc ça, c'est une, une règle en inch, comme la taille des putters qui sont en inch. Si je, me taille, si je, me taille là, si je mesure ici, je regarde. Et effectivement, je suis, mon os est pile sur le 34. Donc, ça peut être une première référence euh, pour savoir quelle taille de putter il vous faut. Mais j'insiste, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un putter trop court ou un putter trop grand Alors, ici, j'ai un 33 qui risque d'être un tout petit peu petit pour moi. Et ici, j'ai un 35 qui risque d'être un tout petit peu grand pour moi. Qu'est-ce qui va se passer ben, ma posture va être modifiée. Je m'explique. L'idéal, et je vais prendre le mien en 34. Donc là, on voit bien les différentes, différentes tailles de putter. On le voit bien d'ici. Là Ok. 33, le mien 34. Celui-ci 35. On voit la différence. Et c'est très important. Aujourd'hui, vous avez toujours entendu qu'il fallait avoir la tête au-dessus de la balle. Oui, à quelque chose près. C'est au-dessus de la balle, ou encore mieux, très légèrement à l'intérieur. Si vous pouvez avoir vos yeux ici. Et je vous propose d'ailleurs que la semaine prochaine, je fasse un live sur la posture au putting exacte à avoir pour bien viser, parce que c'est très important. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on cherche est un putter qui va nous permettre d'avoir les yeux intérieurs de balle jusqu'ici. Très important. Si j'ai un putter qui est trop petit, je vais avoir trop d'angle et je risque d'avoir mes yeux et mon regard devant la balle. Si j'ai un putter trop grand, je risque d'être trop droit, et là, à ce moment-là, d'avoir les yeux beaucoup trop à l'intérieur. Je ne sais pas si on l'a bien vu à la caméra, Max, mais ça, c'est vraiment important. Trop grand, je suis trop droit, trop loin de la balle, et mon regard, mes yeux, trop à l'intérieur. Et avec, en général, le 34 qui est pile ce qu'il me faut, je suis ici, et là, j'ai des yeux qui vont être vraiment à l'intérieur de la balle, idéal pour viser. Ok, j'avais envie de le pouter celui-ci. Donc ça, c'est pour la taille du putter. On vient de voir déjà deux choses ensemble le grip, en fonction de la taille de vos mains. Aussi simple que ça. En gros, pour faire simple, si vous êtes une femme et que vous nous regardez et que vous jouez avec un super stroke 3.0, ça va pas aller. Si vous êtes quelqu'un qui est très grand. Avec de très grandes mains et que vous jouez avec un grip qui est tout petit, ça ne va pas non plus être logique. Donc, de la logique, c'est le plus important. La taille du putter, deux repères, cet os. Si on a des médecins qui nous regardent, je veux bien savoir. Oui Génial. Merci, Thomas. Donc, le styloïde de l'Ulna ou du cubitus. Alors, je ne peux pas te dire, en tout cas, très important. Et le repère, depuis. Euh, Le repère, merci Thomas Miello, qui à qui je vous demande pour Thomas Miello, tous ceux qui nous regardent des pouces. Thomas travaille dans un hôpital, il a des moments très difficiles avec le Covid en ce moment, donc pour Thomas Miello, des pouces ou même des cœurs, je suis sûr que ça lui fera plaisir. En tout cas, premier repère avec une règle en inch, ça donne un bon repère. Et ensuite, quand vous prenez votre posture, il faut que vous puissiez avoir de l'angle et que les yeux soient très légèrement à l'intérieur de la balle, même légèrement à l'extérieur de la balle, sans bien évidemment être trop loin. Ça, ça vous donne un repère super important qui fera que vous allez être bien placé devant la balle. Okay Donc, on a la taille du grip, on a la taille du club, on a bien avancé. Ensuite, on va choisir la tête. La tête, il faut qu'elle vous fasse plaisir. On va prendre pour un même modèle, quasiment un même modèle, des choses différentes. Hop. Je casse pas tout. Donc là, le flowback, on voit bien, flowback 5.5, 5, avec des tailles différentes. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur ces putters-là qui sont assez différents, enfin, pardon, qui sont quasiment la même tête là, On constate quoi On constate que ce qu'on appelle le neck, ici, l'ozel, on appelle ça aussi, est très différent. D'accord Donc, on peut avoir des têtes similaires, des ozels différents, on peut avoir plein de choses différentes. On peut avoir. Ah Je l'avais perdu. Ce qu'on appelle aussi un center shaft. J'ai eu la question tout à l'heure. Donc, là, le shaft est quasiment au centre de la tête de club. On a toutes ces formes-là. Quelle différence cela a, vous allez le comprendre progressivement. La première des choses, c'est l'alignement, l'aide au niveau de l'alignement que ça va vous apporter. Il y a des têtes qui vont mieux correspondre, avec laquelle tout simplement vous allez mieux vous aligner que d'autres. Une explication Aucune. C'est comme ça. Est-ce que vous allez mieux vous aligner avec un putter large Est-ce que vous allez mieux vous aligner avec un blade Il faut le tester. Petit exemple Allez, on essaye. Par exemple, le mien. Je vais essayer le mien. Est-ce que Jean-Damien, tu veux bien me donner un coup de main Qu'est-ce qui se passe Rien de plus simple. Donc là, on, on s'est organisé, on a une planche derrière. Je me mets ici. Tiens, je vais prendre celui-ci parce que je sais que, en général, je ne m'aligne pas bien du tout avec cela. Et je vais me mettre ici. Je vais m'aligner comme si j'avais une balle. Et on va voir si l'alignement est bon. Je ne sais même pas si on le voit à l'écran tellement je suis à gauche. Mais là, si vous ne le voyez pas, je suis par ici, d'accord Ici, pour information, c'est 1,5 degré par rapport à notre axe à gauche de la cible, ce qui est beaucoup trop important, d'accord Si j'essaye avec le mien, en général avec le mien, ça va plutôt pas mal. Attends, pardon, je ne m'étais pas aligné au départ. Attends. Là, je dois être pas mal. Ouais. Et là, on voit, je ne sais pas si vous le voyez, mais le point est ici. Donc, je suis dans l'axe. Et ça, c'est très simple. Merci, JD. C'est très simple. En deux minutes, un laser, le mieux, bien évidemment, est de faire un fitting. Hein. Mais un laser, pour déterminer avec quelle tête de putter vous allez le mieux viser. Super important. Bon grip, bonne taille, bonne tête de putter, déjà, vous allez bien viser. Donc là, on a, je dirais, en position statique le putter qui vous va bien. Ensuite, est-ce qu'on a des questions Jean-Christophe Lévit, extrêmement bonne question. Les avant-bras doivent-ils être dans le prolongement du shaft Absolument. Et ça, je vous propose de vous en parler la semaine prochaine sur la, euh, quand, quand on va parler de la, de la posture devant la balle. Mais oui, c'est très important. Super question de Pascal. Alten, Altenberger, j'espère ne pas écorcher votre nom. Bonjour, si on a un putter trop grand mais qu'on le prend plus court, est-ce que cela change quelque chose Oui, effectivement, ça risque de changer l'équilibrage et le poids total, absolument. Mais ça peut fonctionner, vous serez déjà dans la bonne posture. Si le fait de prendre le putter plus court est le bon équilibrage pour vous, pas de problème. Donc, euh, donc, oui, ça change, mais, mais ça peut fonctionner. En tout cas, je préfère que vous preniez un putter qui est trop grand, plus court, que d'avoir un outil qui ne vous va pas. Donc, euh, vaut mieux avoir un putter plus grand qu'on prend court, qu'un putter trop court qu'on ne peut pas prendre plus grand. Oh là là, très bonne question, Baptiste. Azaïs Davy, est-ce qu'une est qu personne a un chemin de club prédéfini ou c'est à nous d'adapter le chemin de club en fonction du type de putter. Pas du tout. Il faut adapter le putter et on en parle tout de suite. Donc première des choses, on a choisi parce qu'on aime bien quelques putters. Voilà comment. Alors nous ici au golf du Vaudreuil, on a beaucoup de chance. Si on va plus loin dans le fitting, on a des outils, euh, ce qu'on appelle le Samput Lab, le Capto. Ici vous avez un exemple de, de ce que de ce qu'on peut mettre à l'écran pour les gens qui viennent nous voir. Et quand on a choisi un putter. Avec eux, on le valide bien évidemment avec ces outils-là pour être sûr qu'on est sur la bonne direction. En sachant que, avant de valider avec les outils, on prend un putter qu'on aime. Je me répète aujourd'hui, mais c'est très important. Donc, moi je choisis déjà deux putters au départ, j'aime. Celui-ci c'est le mien et j'aime celui-là. Par exemple, j'ai donc deux putters qui me plaisent bien. Ils sont tous les deux à la bonne taille en 34. Je suis bien. Et. Je vise bien avec les deux. Donc j'ai deux choix. D'accord Maintenant, je suis dans ma statique, j'ai mes deux choix et ça me va bien. Il va falloir voir dans la dynamique lequel est le plus adapté à ce que je fais. Et donc, quelqu'un vient d'avancer ce, 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 ce terme d'arc. On sait qu'on doit poter en arc et on a tous un arc plus ou moins important de manière naturelle. Et ce n'est pas à vous de vous adapter à l'arc. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le putter qui doit s'adapter à l'arc, mais au contraire. Ce qu'on voit bien si je me mets là. Super. Donc ça, c'est un arc. On le voit bien ici de 12 degrés, d'accord Donc un arc de 12 degrés, qui est un arc faible. Je vous expliquerai la semaine prochaine à quoi correspondent 12, 24. Et là, c'est un arc le plus important, enfin que nous on préconise de 24 degrés. Donc cet arc de putter est plus important. Qu'est-ce que cela engendre ça engendre que plus on a d'arcs, plus on a besoin d'avoir un putter qui va s'ouvrir et se refermer. Plus on joue avec moins d'arc, donc plus on joue en ligne, sachant qu'on n'est jamais en ligne, plus on a un putter qui doit avoir moins de rotation. Et ça, on le trouve très facilement. Je vous explique. Regardez la différence d'équilibrage entre ces deux putters. Si je prends celui-ci, le fantôme qui me va bien, c'est ce qu'on appelle quasiment d'ailleurs, face balance, c'est-à-dire la face est plate et regarde vers le ciel. Vous voyez, je, hop là, je le prends vraiment, je trouve le point d'équilibrage, je le prends, il est comme ceci. Et si je prends mon putter, à moi, mon Scotty Cameron Newport 2, qu'est-ce qu'on constate La pointe du putter va vers le bas. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que quand on a un putter qui est face balance, en général un center shaft, c'est quand on a un mouvement qui a moins de rotation, une phase de club qui va moins tourner, qui va avoir moins de rotation, un peu plus moins en arc, j'ai pas envie de dire plus en ligne. Je n'ai pas envie de dire plus en ligne. J'ai envie de dire moins en arc. On va jouer un putter qui va être face balance parce que la pointe du putter va moins bouger. Plus on a d'arc, plus on doit avoir un putter avec ce type d'équilibrage. Qui va permettre d'avoir une pointe de putter qui va plus tourner. Donc voilà comment j'avais choisi. Je me répète, très simple. J'ai choisi deux putters qui, en statique, avaient la même taille, donc vont faire en sorte que j'ai la bonne position. J'aime bien ces deux putters, je m'aligne bien avec. Donc en statique, les deux sont OK. En dynamique, celui-ci va correspondre beaucoup plus à mon arc. Pourquoi Parce que moi, j'ai un arc important. Donc, j'ai besoin d'avoir un putter qui va avoir une face qui va beaucoup tourner. Si j'avais un arc moins important, j'aurais probablement utilisé ce putter qui a une face de club qui s'ouvre et qui se referme moins. Donc, très simple, mais logique. Bon grip, bon grip, bonne taille de putter. Et je m'aligne bien en statique, en dynamique. J'ai beaucoup d'arc, j'ai besoin d'avoir. Ce qu'on appelle un toe flow, un, un, la pointe du putter qui va beaucoup bouger. Et j'ai moins d'arc, j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle un face balance, qui va me permettre de moins avoir de rotation de face. Assez simple, mais pas besoin non plus de faire des choses trop compliquées. Et à partir de là, vous aurez un putter qui vous correspond au maximum, d'un point de vue morphologique et d'un point de vue dynamique de votre mouvement. Est-ce qu'on a des questions, Max Est-ce que c'est clair pour vous toutes et vous tous qui nous regardez Alors, très bonne question de Tiger Cahouette et de Baptiste. Oui, les arcs sont liés, pas à votre taille, mais surtout à l'angle que vous avez dans votre corps, que, que, que votre corps forme dans un premier temps, et à la manière dont vous bougez. Il y a des gens qui ont beaucoup de rotation d'épaule, des gens qui sont un peu plus en bascule au niveau des épaules, tous ces fonctionnements-là. Ce que je vous propose, parce que là, si on va sur ce sujet-là, on est là jusqu'à 18h. Semaine prochaine, je m'occupe de votre putting plus en détail d'un point de vue mécanique. Aujourd'hui, plus sur le fitting, si vous voulez bien. Ouah Joshua Joshua Hello La hauteur du shaft est-elle importante Je fais 1m87 et j'ai un 33 inch. 33 inch, pardon. N'est-ce pas trop petit Je précise que je me sens tout à fait à l'aise avec mon putter, mais la question peut se poser. Super question, Joshua Deux choses par rapport à ça. En un... Oui, clairement, je pense qu'il est beaucoup trop petit. Moi, je fais 1 mètre 72, 73 les jours où j'ai des talons, euh, et je joue avec un 34 inch. Donc là, vous devez avoir beaucoup d'angles dans la posture. Deux choses si ça fonctionne, pas de problème. Mais euh, si vous petez beaucoup, peut-être des problèmes de dos. Il peut y avoir des choses qui arrivent. Mais là, comme ça, alors peut-être que vous venez d'arriver, Joshua. J'en je, ai parlé au, au, en, au début du live. N'hésitez pas à le re-regarder. Vous allez comprendre que 33, à mon avis, c'est un peu petit. Mais pareil. Si ça fonctionne et que vous êtes à l'aise, pourquoi pas Mais je mets un petit mais quand même. Ok Super. Maintenant, il y a deux autres facteurs qui sont importants quand vous allez trouver la bonne posture, qui sont le lie du putter et le loft du putter. Le lie, c'est quoi C'est l'inclinaison. Enfin, c'est l'angle du shaft par rapport au sol. Les putters qui sont livrés, en scotique à comme ça, est livré avec un lie standard de 70 degrés. D'accord En général, en fonction de votre taille, comme, je me souviens plus, du monsieur qui fait 1m87, son nom Joshua. Joshua qui fait 1m87, s'il est grand, probablement il aura besoin d'un lie un peu plus vertical, donc plus proche de 72. 1m87, ouais, 72 Voire 73, ce qui est très rare. Et quelqu'un qui est une femme ou un junior peut descendre jusqu'à 68. Notre axe est entre 68 et 72 degrés. C'est là où on peut jouer. Euh, souvent, c'est anecdotique, mais c'est important. Très souvent, les gens nous disent Mais pourquoi je peux pas putter avec un putter qui a 90 Parce que tout simplement, les règles euh, du Royal et d'Ancien et de USGA n'autorisent pas un putter qui aurait. Euh, plus que 80 degrés de l'ail, ce n'est pas autorisé par la loi, donc c'est maximum 80, mais clairement au-dessus de 72, 73, c'est déjà énorme. Donc entre 68 et 72, c'est un bon repère en fonction de votre taille et de votre inclinaison. Bien évidemment, euh, c'est une adaptation aussi qu'on fait ici, on a une machine à l'ail, c'est très important. Deuxième chose, le loft. Un putter comme ça, un Scotty Cameron, est en général livré avec 3, 4, 3 ou 4 de loft. Euh, on va dire demi exactement de loft, qui est l'ouverture du putter. Il faut un tout petit peu d'ouverture au putter pour que la balle ait un minimum, je dis bien un minimum, qu'elle puisse décoller un minimum. C'est très important, elle est dans l'herbe, il faut qu'elle décolle. Alors on ne veut pas qu'elle saute, mais il faut qu'elle décolle. Et le loft idéal à l'impact est entre, on va dire, 1 et 2 degrés au moment d'impact de loft, ce qui veut dire que quand on a 3 ou 4 de loft, on doit très légèrement avancer les mains au moment d'impact. Et c'est là où il y a une adaptation à faire aussi. Qu'est-ce qu'on constate chez les golfeurs et, et les golfeuses et les golfeurs De temps en temps, certaines personnes ont tendance à faire un forward press, à avoir des mains très en avant à l'impact. Ils vont avoir, eux, besoin de beaucoup de loft pour que, à l'impact, le loft soit, comme je l'ai dit, entre 1 et 2 degrés. Un exemple flagrant d'un joueur que vous regardez probablement le dimanche soir sur, 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 sur le PGA Tour, qui est Phil Mickelson. Alors Lui, il joue en gaucher, mais on voit qu'il a la pince, qu'il a beaucoup de de fort presse au départ et les mains très en avant, ce qui fait que par moment, il joue même un putter qui fait 6 ou 7 degrés de loft. Parce que s'il est comme ça, il faut que le putter puisse s'ouvrir un tout petit peu pour que la balle ne s'écrase pas dans le sol. Un autre joueur que vous connaissez probablement qui s'appelle Zach Johnson, qui a gagné euh, le Masters, qui peut très bien, lui a tendance à avoir les mains en arrière, donc complètement l'inverse de euh, euh, Phil Mickelson, lui joue avec un putter qui fait zéro de loft. Donc en fonction de la manière que vous avez de ramener le putter dans la balle au niveau de la position des mains, il faudra que vous ayez plus ou moins de loft. Ça aussi, bien évidemment, quand vous faites un fitting, on l'adapte. Donc là, on a vu pas mal de choses aujourd'hui. J'espère que ça ne vous effraie pas. C'est juste, je me répète, le fait d'adapter le putter à votre morphologie. Le putter est le club que vous jouez le plus. Tout au long d'un parcours, c'est le putter dont vous avez le plus, c'est le club dont vous avez le plus besoin et qui doit être absolument fait pour vous. J'insiste. Bonne taille de grippe en fonction de la taille de vos mains, aussi simple que ça. La taille du putter en fonction de votre taille et de votre rapport d'angle et la bonne position des yeux très, très légèrement à l'intérieur de la balle. La tête de putter vous aide à vous aligner correctement. Ça, c'est en position statique. En position dynamique, si vous avez beaucoup d'arcs, peu d'arcs, beaucoup d'arcs, un putter qui va bouger beaucoup, qui va s'ouvrir et se refermer, peu d'arcs, un putter un peu plus face balance, qui va moins bouger. Les autres adaptations importantes, en fonction du placement des mains à l'impact, le loft est important. Et le lie, j'aurais dû le préciser, j'ai été un peu vite, j'aurais dû le préciser en position statique, pour que quand vous êtes dans la bonne position, il faut que le putter repose complètement à plat. Donc, c'est tous ces petits éléments qui vont permettre d'avoir le putter qui vous va bien, que vous aimez, ça c'est la priorité, et qui correspondent à votre morphologie. Il y a d'autres petites, si on veut aller plus loin, il y a d'autres choses. En quoi le putter est fait Si je prends l'exemple de, de celui-ci que j'adore, le Phantom 8, comme toute la série Phantom, magnifique. Celui-là, j'aime beaucoup. Pourquoi Parce qu'il a ses repères un peu partout sur la face qui me permettent de bien m'aligner. J'adore ce putter-là. Lui il est fait en aluminium, donc il a un contact qui va être différent de, du Scotty Cameron que j'ai tout en acier. Et là, qu'est-ce qu'on constate entre ces deux modèles Modèle 2019, modèle 2020. Newport, Newport, 2 à chaque fois. D'accord On les voit bien Qu'est-ce qu'on constate Donc là, l'arrière est équivalent. On va voir un peu de choses près. Button back comme ça. D'accord. Hop, ici on est bon. Et ici en face, qu'est-ce qu'on constate Il y en a un qui a un insert et l'autre qui n'a pas d'insert. Donc des contacts différents. Insert, si mes souvenirs sont bons, en aluminium. Là, de l'acier. Avec des aciers sur certains au Scotty Cameron qui sont des aciers GSS, qui sont tout simplement le top du top parce que c'est euh, l'acier qui sert euh, dans les usines, euh, qui vient d'usines d'armes d'armement qui est l'acier le plus doux qui existe donc plein de choses différentes ça c'est ce que vous vous allez aimer aussi ou pas est-ce que vous aimez un contact plutôt doux plutôt ferme quels sont vous aimez et ça c'est super important mais ça il faut que vous gardiez en tête que ce n'est pas que le putter je m'explique si je joue avec mon putter à moi avec ces quatre types de balles différentes. Qui sont toute la gamme de chez Titleist, formidable, mais qui sont extrêmement différentes, de la Troufil jusqu'à la Pro V1, Pro V1 X. Et même si je vais plus loin, pour les très bons, très bonnes joueuses et très bons joueurs que vous êtes entre la Pro V1 et la Pro 1 X, vous allez sentir une différence de contact. Donc quand vous choisissez un putter, ce qu'il est hyper important de faire, c'est de l'essayer avec la balle de jeu que vous avez l'habitude de jouer et de rester avec cette balle de jeu. Autrement, le contact va être complètement différent. J'insiste là-dessus. Est-ce qu'on a des questions Bryson est très proche de, de 80 angles. Très, très proche. Absolument. Euh, Michel, oui. Bien sûr, Michel, oui. Il y a toujours des contre-exemples. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous, c'est d'avoir une base générale. Après, on s'adapte. Niklos aussi, bien évidemment, qui avait tendance à avoir beaucoup d'angles, très fléchis. Et ça fonctionnait. Maintenant, je me répète, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de vous donner une base globale. Y a-t-il des putters hommes, putters femmes, Sylvie Non, mais en tout cas, putters courts. Aujourd'hui, Scotty Camoine sort des putters qui font 33 inches, donc beaucoup plus courts que, que, que l'habitude. Avant, les putters faisaient 36, en général 35 parfois. D'année en année, on, on a d'autres solutions, donc 33 inches pour les femmes, c'est tout à fait idéal. Euh, mais en général, non. On, nous, on adapte les putters en fonction hommes et femmes. Okay. Alexis, question. Comme le manche arrive au milieu de la tête du putter, donc là où est la balle, j'ai donc une bonne perception de la frappe. De balles bien centrées, cet alignement, avant-bras, manche, balle. Donc je pense, Alexis, que ça doit être avec un, un center shaft, ce que vous nous dites. Aurélien Varin prévoit un épisode Comment bien lire un green avec grand plaisir. Seulement si on regarde dehors, là il fait nuit noire, et comme nos lives sont un peu en fin d'après-midi, on, on va trouver une solution. OK Donc, pour finir. Avant de faire un petit test, je vous repasse rapidement. On remercie Titleist qui, 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 une fois de plus, nous aide sur ce live. Nous ont fourni du matériel qui nous permet de tester beaucoup de putters et Titleist a tout simplement sorti un driver exceptionnel ces derniers temps. On vous laisse 30 secondes pour regarder ce spot du driver d'un driver tout à fait exceptionnel. Qu'on vous encourage à essayer rapidement. Le moment. De vérité. Cet instant précis où la préparation se transforme en performance, où tous les efforts consentis sont récompensés. Et quand ce moment arrive, soit vous faites confiance à ce que vous mettez en jeu, soit vous ne le faites pas. Pour finir, merci d'avoir suivi ce live. La seule chose qui m'importait aujourd'hui, et j'espère que vous avez pris conscience de ça, est que le putter est quelque chose qui n'est pas à, que, que, que vous devez, à laquelle vous devez faire attention. Ça, je, je vais revenir juste à la fin aussi, surtout pour les jeunes qui nous regardent, mais qui doit vous correspondre, qui doit correspondre à votre taille, à votre morphologie, à votre style de putting. J'insiste énormément. Donc choisissez un putter qui vous va bien, que vous aimez. Qui correspondent à votre taille à plein de choses et je vous garantis que vous vous poterez beaucoup mieux. Dernière chose, on a maintenant toujours euh, des, des... Ah, je vous montre je vous montre un putter absolument magnifique le putter de Tiger Woods quand il a gagné en 2000. Ah, J'aurais dû regarder Augusta en 97 celui-ci tu crois le Tyrillium absolument magnifique donc ça c'est un putter Lequel Tiger a fait des merveilles avec là un insert hallucinant, extrêmement doux. Donc, ça, c'est une petite merveille, c'est mon putter. Euh, et moi, j'adore me faire plaisir avec, avec ces outils-là, avec le putter. Dernière chose, et c'était pour ça que je sortais, tous les putters de la planète aujourd'hui sont vendus avec un capuchon. Le capuchon n'est pas que dans le magasin et pour faire beau. Le capuchon est extrêmement important et mettez-le à chaque fois, Surtout les jeunes. Je vois des jeunes arriver avec des putters dans des états absolument lamentables. La phase de putter est douce et extrêmement importante. Donc, protégez votre putter. Je me répète, c'est l'outil que vous jouez le plus sur le parcours, que vous jouez le plus tout le temps. Donc, c'est un outil très important pour vous. Il faut qu'il vous soit adapté, il faut que vous y fassiez attention. OK Allez, une petite dernière chose pour les plus férus de, techn... de techniques qui nous regardent. Vous avez été très nombreux l'année dernière, enfin pas l'année dernière, pendant le premier confinement, j'ai fait une, 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 un live sur l'alignement au putting et beaucoup d'entre vous m'ont dit que l'alignement au putting n'avait pas d'importance parce que Tiger Woods s'alignait 4 degrés à droite, parce que vous aviez vu ça sur Internet. Je voudrais juste vous dire ce qu'est 4 degrés à droite. Est-ce que Jidet, tu peux venir avec moi s'il te plaît, juste pour finir là-dessus. Aujourd'hui, si je me mets ici, dans cette ligne, et que je vise 2 degrés à droite, alors, hop là, ici, voilà, super. Je ne sais pas si on voit le point, mais ici, c'est 2 degrés à droite. Tiger Woods, s'il visait sur un peu comme ça, 4 degrés à droite, il serait donc ici, d'accord, pour un peu de droite-gauche. Donc, non, on vous garantit que Tiger Woods a une légère tendance à s'aligner à droite. Et pourquoi Tiger Woods a une légère, merci JD, a une légère tendance à s'aligner à droite Parce que lui, justement, joue un Newport, parce que c'est un joueur qui a énormément de rotation de face, qui a un, un arc assez important, mais surtout qui a un putter qui bouge beaucoup, avec beaucoup de rotation de face. Donc, il s'aligne très légèrement à droite et il met pas mal de release à l'impact. mais il ne pas 4 degrés à droite. C'était juste parce que certains me l'ont demandé que je voulais finir là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, demain, vous avez Rémi Bedu, qui va vous expliquer, je crois si je n'ai pas de bêtises, comment avoir du succès au golf. Et ça, c'est très important. Vous verrez Lewis mercredi et on se retrouvera jeudi. Jeudi 16h, vous aurez Cyril, le Gouazigo, et on se retrouvera juste après à 17h. Et je vous expliquerai, parce que c'est une question que j'ai tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre, au, au, au milieu de votre sac, est-ce qu'il vaut mieux choisir des longs fers, fer 3, fer 4, fers 2 ou des hybrides Quelle est la différence entre les deux et quel choix vous devez faire Merci beaucoup. J'ai été ravi de vous retrouver sur le Journal du Golf et à très vite. Je vais répondre à une ou deux questions s'il faut pour finir. Je vais finir là-dessus, ailleurs qu'à En quoi les Scotty Cameron font-ils vraiment partie d'une neck plus ultra sans faire de pub Il bah, y a une chose, c'est si vous regardez, même les joueurs qui ne sont pas sous contrat avec cette marque jouent avec ce putter. C'est le putter qui a, gagné, qui, a fait, qui a eu le plus de victoires, qui a gagné le plus de grands tournois, de tournois du Grand Chelem. C'est absolument un putter incontournable. Et pourquoi est-ce qu'il est meilleur que les autres C'est qu'il est fait de manière extrêmement précise avec des matériaux. Très, très, on va appeler noble. Et c'est pour ça que ça en fait le putter, le neck plus ultra. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, un putter qui est extrêmement précis, régulier de saison en saison et qui vous permettra de putter beaucoup mieux. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup à tous et à tous, et à très vite.